a sunset view. I'm thinking so you're gonna want to. Maintenant, on va essayer de trouver un chemin pour monter ça. En tout cas, pour aller voir ça de plus près déjà, dans un premier temps. C'est magnifique. C'est pas mal, oui. Combien de temps ça prend de graver un truc comme ça? Des années. Des dizaines d'années. Les Oïsala étaient des vrais pros de l'architecture. Et de la guerre aussi. T'as raison. C'est peut-être une scène pour commémorer leur victoire contre les Perses. On dirait qu'ils se sont bien défendus. Sans doute. Mais pas éternellement. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous, non? Cette gravure m'est familière. Cette gravure correspond exactement à celle du disque. Et ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Mais on a déjà deux symboles. Alors on y retourne et on trouve le dernier. Bien reçu. Ok, bah allons trouver le dernier. Alors attendez, il y avait écrit mise à jour de la carte. Je vois pas trop la mise à jour. Mais tant pis. Ok, donc selon la carte, ça devrait être ici quelque part. Ouais, et en effet, ça ressemble à quelque chose. Ouais, j'ouvre l'œil. Ok. Faudrait donc trouver un moyen pour monter tout en haut. Ok, ça me semble un peu mission impossible. Mais il doit certainement avoir une possibilité. Voilà, jusqu'ici et pas plus loin. Et maintenant, allons voir. Regarde, la hache de Shiva. C'est la hache. J'ai vu la même chose sur la tour. Shiva. Dieu de la destruction, c'est ça? Oui, mais peut-être pas dans le sens où tu l'entends. Ok, est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Non, mais par contre, on peut le faire. D'accord, pas au sens littéral. Si, mais aussi dans un sens plus positif. Comme perdre son ego, abandonner ses mauvaises habitudes. C'est les anciennes attaches. Exact. Et on va juste se mettre un peu mieux. Voilà. Maintenant, normalement. Comme toujours, avec plaisir. On va travailler un peu ça. Même si là où on est passé, c'est pas l'idéal. Mais on peut pas se rapprocher plus. Voilà. Mais ça devrait faire l'affaire, normalement. Ok. Ouais, vas-y. Attends, je m'enlève juste. Laisse-moi le temps de... Vas-y. Bah vas-y. La meuf, elle dit, je vais m'occuper de ça. Mais elle s'occupe de que dalle. Ah, voilà, enfin. Bien, bien sûr. Dans l'autre sens. Il n'y a pas de quoi. Ok. Oula. Fais sombre là-dedans. Ça là contre le tigre. Un combat loin d'être équitable. C'est ça là qu'a gagné en fait. Il protégeait son gourou et tua l'animal d'un seul coup. C'est de là que vient le nom Oïsala. Oï signifie coup dans leur langue. Eh ben j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Il y aura un quiz après. À la fin de la journée, un petit quiz. Ok. Normalement, dans la logique, il ne faudrait pas avoir d'ennemis. C'est tout de même chaud. Ouais. Mais si, elle est bonne. Enfin, pas à boire, hein. Excellent. Okay. Attention, est-ce qu'on peut passer par là éventuellement? Oui, on peut. Où est-ce qu'on peut monter là? Voilà, enfin. J'ai aucune idée. Comment on va retrouver le chemin pour repartir? Parce que disons là, j'étais super longtemps sous l'eau. On verra ça. Allez. Ils ont laissé voilà. Un matos d'escalade. Headshot.
Voilà. C'est notre matos. Excellent, vous allez récupérer. Oh, ça tire sur les poignets. Ok, donc maintenant on se retrouve en plein milieu de la jungle. C'est très bien ça. Allons voir ce que ça donne derrière. J'ai failli mourir là. Waouh, ok. Dès qu'on a appris une nouvelle chose, on l'utilise quoi. Par contre maintenant, comment je fais pour l'enlever là? Je suis un peu bloqué. On peut faire une petite danse. Ok, maintenant par contre. D'accord. Et du coup j'ai perdu mon matos, non? On sait pas. Où il y a des ennemis. Où est-ce qu'on est là? On est dans les ruines. Waouh! On le saura bien assez tôt. Très bonne question. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons ce que ça fait. Oula! La statue a bougé. Bon, on va voir ce qui va se passer. Bon, je comprends rien. C'est compliqué. Waouh. Ok. Je comprends pas trop le truc. Est-ce qu'on peut monter? Waouh. C'est quoi cette histoire? Attends, est-ce qu'elle peut pas se mettre là, là-dessus? Comme ça, ça va me faire monter. Non, d'accord. De toute façon, ça ne nous aurait pas servi à grand chose. Là, on peut pas non plus monter. Ok. Bon, essayons de refaire ça. Voilà. La statue a encore bougé. Ouah ! Putain, la violence ! Un peu mal. Tu m'étonnes. Tu vas bien? Ouais. La routine, quoi. La porte de l'autre côté s'est refermée. Oh, ça paraît logique. Y a rien de tel que d'apprendre sur le tas. Je préfère admirer le maître. Ça, c'était. Ouf. Violence qu'on s'est pris là. Attendez. Donc, ça, ça fait quoi? Ok. Ça, ça fait quoi? Ah. D'accord. Et là, si je me rapproche. Il va de nouveau vénère là. Ouah! Ok. Mais si je fais comme ça. D'accord, il se prépare. Ah, mais du coup, je. Ok, non. On va s'éloigner. C'est pas passé loin. Ok. Donc maintenant, si on se fait comme ça. Est-ce que si je saute sur place? Non, ça va pas. Non, mais je suis pas bien là. Je suis pas bien. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Maintenant, on est pas mal. Voilà, là, il fait son truc. Je fais comme ça. Je me mets là. Et là, ça passe. Voilà. Au revoir, okay. Monsieur. Je crois que ça a marché. Viens. Bon, la ligne, tu te démerdes. Moi, je pars déjà. Waouh. Par contre, ça, c'est beau, ça. On va prendre une photo. Allons prendre une photo. Voilà, ça, c'est beau. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Waouh. Regardez sur le portable. Ok, moi, je dirais, pour l'instant, c'est la plus belle photo. Hein, pour l'instant, parce que cette photo-là, moyen. Cette photo, moyen aussi. Et celle-là, par contre, elle est très belle. Ok. Par contre, maintenant... C'est bien beau tout ça. Alors attendez, on est bien d'accord, on est venu par là. Donc là, c'est un autre chemin. C'est pas vrai. Quoi? Trois statues, avec deux symboles différents maintenant. Des étoiles et des anneaux. Ce sont tous des symboles du soleil d'Oxala. Je préfère tes descriptions. Oh non, mais ça, ça va être super chaud, ça encore. Un truc de ouf, ça. Ok, donc on peut passer par là, mais ça, je pense... Ok. Allons voir ce que ça va donner. On va tenter.
D'accord. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais qu'il allait encore récupérer en fait, mais en fait pas du tout. Là, il... D'accord. Donc il est directement chaud à se battre. Ok. C'est super chaud. Heureusement ça ne me tue pas parce que je serais été mort là. Ok. On va réussir. On va réussir. Alors, comme ça. Là, il est chaud patate. Est-ce que si je mets là, je reçois le coup quand même? C'est vraiment Non, pas c'est bon. passé loin. Non, c'est pas passé loin, mais... Voilà. Et C'est voilà. ça. Ok. Par contre, là, c'est tendu. Ok. Alors. Allons voir. Ok, lui, il est chaud patate. Lui, il est presque chaud. Est-ce que je reçois le coup si j'avance encore un coup, là? Oui ou non? Je tente ou pas? Sinon j'irai là quoi. J'ose pas trop tenter. Mais allez, allez. On va sentir la douleur. Allez, maintenant on y va. Ah si, je sens le truc. Ok. C'est tendu de ouf. C'est tendu de ouf. Ok, maintenant on sait que on reçoit bien le coup sur les trois pierres en fait à côté du mec. Donc là, on va là. Là, on est là. Hop. Voilà, là on connaît, ça pour l'instant on connaît bien. Waouh, ok, par contre ça fait quand même peur, c'est quand même impressionnant. Donc du coup, on va maintenant ici. Ok, par contre maintenant, feu, il en est là. D'accord, en fait lui il tape là. Mec, t'es un malade toi. Putain, il est chaud là. Je savais pas qu'il tape là. Ouais, c'est ça. On va pas s'en sortir. Ça m'aurait pas fait du bien. C'est quoi la suite? On y est presque. Ok, c'était c'est bon. tendu là. À ton tour. Encore? Je me disais bien qu'il y en avait encore une. Oh non. Oh non. Oh non. Ok. Quoi? Les gars, c'est tendu. On est d'accord que c'est tendu là. Bordel. Oui, en effet, on est bien d'accord que c'est tendu. A few moments later. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va mal. Jusqu'ici, Par tout contre, va mal. là, honnêtement, c'est trop demandé. Est-ce que je peux aller là? Ou pas du tout. Est-ce qu'on tente là? Mais lui, je le sens pas là. Il va faire un truc imprévu. Bon, allez. Allez. Ah! Je m'en doutais. Je m'en doutais là. Putain, ça fait chier. 12 seconds later. Même si je suis toujours pas sûr si c'est vraiment à 100% le bon chemin. Qu'est-ce qui vient de parler? Ok, par contre là le problème c'est que je me suis trompé de chemin. Je me suis trompé là. Là il va simplement avoir un problème là. Mais là je le sens carrément pas du tout. Si là je saute, forcément je vais me prendre quelque chose. Non? Est-ce que je tente? Mais non, mais là, c'est de nouveau le même problème. Allez. Ah! D'accord. La dernière fois. Oh, je crois que t'as raison. J'ai carrément peur. Ce soir, quand
je vais me coucher, j'aurai carrément un traumatisme. Je vais avoir peur de me prendre une hache. C'est pas passé loin. Ok, si je passerai maintenant encore une fois par là. C'est passé. Et maintenant si je ressors par là. Et maintenant par là. Aïe. Je crois que je peux. Ok. Est-ce que je peux me cacher? Cassez pas. J'arrive pas. À mon avis, on va devoir aller là, là-bas. Mais je suis pas sûr. On va tenter. Je sens qu'on va se prendre encore une hache dans la gueule. Mais oui, je le sens. je le sentais en pleine gueule en plus. Ok, par contre, maintenant je crois savoir. Putain, en tout cas, dans ce putain de truc, il faut pas tenter en fait. Il faut rien tenter de ouf. Allez, on saute par là. Là. Ici. Ok, c'est pas passé loin. Ouais, je viens. Ok. Jusqu'ici, tout va mal. Ok, par contre maintenant, je crois que c'est ça. Ça. Voilà, ça devient toi. Ça. Ça. Et c'est là où on est mort avant. Donc je pense, vu qu'on est mort par là, on n'a pas le choix, il faut passer par là. Voilà, et après on passe par là. Voilà. Et après par là. Et après par là. Et là, on est enfin. J'en peux plus. Ah ouais, là, j'en peux plus. Je peux plus entendre ce putain de bruit de... J'espère que ça vaut le coup, moi, parce que là, sinon... Je vais abandonner le jeu, là. Il nous faut une hache. Une hache. Putain, je peux plus avoir deux haches, par contre. Ah, les haches, j'aime pas trop ça. Alors, attendez, est-ce que... Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que... Non. C'est pas juste. Ah non, là, c'est pas vraiment pas juste, en plus. Non mais les gars, non, on va jamais trouver le truc. Oh, comme c'est chiant ça par contre. Ouais non, on est pas bon du tout là. Ça, voilà. Ravi de te rencontrer, Shiva. Allez, bonjour Shiva. Ça roule ma poule. Ouais grave, ça me saoule là. Merde. Tu vois? Oh non. Je t'avais dit que c'était dangereux. Rien de cassé? Juste ma dignité. C'est bon. Ah, et voilà. Que l'eau coule. Oh. Et voilà la troisième. Tu sais, t'es plutôt doué pour la chasse au trésor. J'apprends vite. Mais j'ai une question. Je sais que tu pourrais faire à peu près tout ce que tu veux. Alors, pourquoi tu veux tant récupérer Shoreline? Tu plaisantes? Mon partenaire retourne mes hommes contre moi? Mon lieutenant se barre avec la prime. Nathan et Samuel Drake sont épargnés et tu demandes pourquoi je veux récupérer Shoreline. Ouais. Excellent, ça. C'était de ma faute. Donc, encore une fois, pour ceux qui savent pas ce que c'est Shoreline, je vous invite à aller voir le Let's Play sur Uncharted 4 que vous trouvez sur la chaîne, bien sûr. C'est quoi ce truc avec lequel t'arrêtes pas de jouer? C'est mon jouet anti-stress. Je l'ai reçu par la poste peu après notre arrivée en Australie. Bon. C'est des hand spinners en fait. Faut pas qu'Assav nous passe devant. C'est un hand spinner de l'Inde. Ok. C'est... Maintenant. Moi aussi j'ai eu ma dose de foirage. Faut oublier. Et passer à autre chose. J'aime pas l'échec. Ok, faut qu'on passe à droite, mais aussi à gauche, là, encore une fois. On a la voiture. Mais d'abord, déjà, il faut retrouver la voiture, c'est une chose.
qui a certainement pas été évident. Il y a eu un marchand d'armes qui demandait à parler au patron. Il a fait marche arrière quand je lui ai dit que c'était moi la patronne. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai cassé les deux jambes. Oh la vache! Tu plaisantes pas, toi? J'égalise juste les règles du jeu. Oh, Ross la féroce. Oh, attends, sur la paroi de la falaise. Tu vois cette voûte? Elle a l'air intacte. Alors, on va aller voir ça. Je vais me dégourdir les jambes. Ça roule. C'est quoi cet endroit? Bien vu. Grave, c'est chaud. Regarde-moi ça. Quoi? T'as l'air tout excité. Ah ouais, mais là, il y a des singes de... compète, là. Il y en a beaucoup, surtout. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Voyons voir. C'est juste moi ou ça ressemble à une carte? Ouais, c'est grave, c'est la carte. Ouais. À fond. Eh bien, je vais le marquer. Ça ressemble à fond à notre carte. D'accord. Ok. Là, alors, ah, attendez, il y avait encore quelque chose là. Est-ce qu'on peut voir encore Ça a dû appartenir à l'une de leurs reines. Ah oui. Le bracelet rouge. Intéressant. Ça ressemble bien à une sorte de jeton et ça là. C'est grand quand même pour un jeton. C'est quoi les symboles là-haut? Les symboles? Où ça? Ces personnages doivent être les anciens rois Oysala. Ils étaient 11 en tout. T'as les jetons? Oui, je les ai. Ok. Là, on peut pas passer si j'ai bien compris. Bah, du coup, on a visité un peu le truc là. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à voir? Je pense que oui. D'accord, il y a d'autres endroits maintenant qui se sont libérés ou qu'on peut visiter éventuellement. Ça marche. Ok, mais tout le reste, on va le faire la semaine prochaine. Si vous voulez savoir quand exactement, n'hésitez pas à aller voir sur le programme de la semaine. Sur Facebook, vous avez tout le truc. Même si vous n'avez pas Facebook, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même vous accéder là-bas. Et si vous avez Facebook, encore mieux, là, vous pouvez liker la page. Et comme ça, vous restez au courant de toutes sortes de vidéos. Donc sur ce, salut Jean. Et à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Uncharted 4. Oh, t'es pas marrante. Quoi? Tu veux qu'il chie partout sur les sièges? Excellent. Sur cette blague, on va se retrouver très bientôt. Et puis n'oubliez pas qu'il y a les Grands Prix de F1 aussi tous les week-ends. C'est quelque chose à voir. Parce que ce jeu 2017, il a l'air... Enfin, il a l'air pas, mais il est très bien. Sur ce, salut Jean. Et à très bientôt.